Comment il fait pour le distinguer? Namna gani unafanyaka juu ya kudistinguer bajue baibu na bengine? Namna gani unafanyaka juu ya kutafautisha bale batu? Merci beaucoup. Ile utofautisha yenye ilikuwa iko pale ni juu ya mivalio yao. Qu'il soit plus explicite. Vous voyez quoi qu'ils nous disent, voici, vous voyez quoi, Gerniv, il y a Ipouniv, il y a Gerniv, il y a Kamarus Niv. Badier, Banakwa, Vala Chapeau Zarouge, Natenia Moumoko Hima, Hima Mister Mister Yves. Ok, Baibou. Baibou, Banakwa, Vala Mango, Viko Satu, Mani, Amalembelembe. Il portait, les hiboux portaient des habits locaux matiti. Et le riche Baris. Baris, c'est Balikoba Naval, a dit les mots, ça vous dit les amas, tennis, ça vous dit les amas. Ça dit. PC21021. Il dit qu'il était à la station radio. C'est ça, monsieur le président. À l'intérieur. Votre cours a auditionné certaines victimes, plus d'une, qui étaient aussi à cette station radio. Et les deux victimes ont dit que ceux-là qui sont entrés dans la radio portaient tous des masques et des casques. Un seul, Nakashira Kakaloko, l'un a même parlé d'un revolver. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Bengine baliskilika hapa banasema basoda benye balingiaka mule mu radio bote balikuwa na jifunga masura hapa kukuwa naonekana mumoya tu njo alikuwa ajifunge sura na alikuwa na kasilaka kidogo. Weye kuile unasema nini? Bote benye balingia mu radio kwa kweli bengine balikuwa biko mule benye balingiaka mule bamingi balikuwa banajifunga. Na vingine venye walikuwa kaije venye walitutira kandani venye walituua ndani bamoya balikuwa kuwa na precision mu majibu zako. Je, bote balikuwa kanafunikiwa sura na mumoya njoto akukua nafunikiwa ama ni je? Ndiyo. Juu ya nini uko na hesite juu ya kujibia kuile? Voilà, merci beaucoup. Kupitia ile mushituko na masasi mingi zilituharibisha kichwa. Les balles nous ont traumatisés. Maintenant, on retient quoi? Ils étaient tous cagoulés avec casque et cagoule. Et un seul a découvert où il y en a qui étaient à découvert. Siye tushike nini? Moja alikuwa hajifunge sura, bengine balikuwa najifunga sura, ama bamoya balikuwa najifunga masura na bengine balikuwa najifunga masura. Merci beaucoup. Kuko bamoya bengine balikuwa najifunga masura na bengine bengine balijifunge masura. Certains te gagole, bamosusu te. Je pense que le traumatisme est trop grave, il aurait besoin d'une assistance d'un psychologue, monsieur le président. Je me demande si nous pouvons continuer à l'entendre dans ces conditions, d'autant plus qu'il parle des contradictions rédites. Ça sera tout pour nous, monsieur le président. Léo, oui. Je croyais que monsieur le premier président, c'est la croyance à l'église. Malheureusement, ça me colle à la peau. Vous avez posé une question, il a répondu. La cour aurait-elle l'amabilité de demander à la PC026 à pointer du doigt cette tenue qu'il a vue dans la salle? Est-ce qu'il y a une
Unaweza tuonesha teni inafanana ile nyoli onaka mule msali. Unaweza tuonesha teni yenye ulionaka kupitia hizi zenye huko unaona mu msali. Teni yenye nilionaka misali yenye ndugu wanafala hapa injo ya mupe kwa si aonaka. Nous avons fini, Monsieur le Président. La Cour remercie. La parole est encore à la Défense, ministère public, plutôt à l'accusation, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Une petite précision, parce qu'il dit Teni, Niliona, Kaikusaya, Wandoukou et quoi, Wandoukou Kani. Qu'ils nous disent, parce que les Wandoukou qui sont là ne sont pas tous dans la même tenue. Oui, précision. Bamigibabu, Balgoa Fala Teni, Saï. Na bengine walikuwa fara tu ya fara desi ya kawaida, mei walikuwa wa kidogo. Avez-vous épuisé? La défense. Oui, prévenu. Kalamba. Merci, Monsieur le Président. La première déclaration de témoin, il a dit, c'est la première fois de voir cette tenue. Et comment, à l'instant, il arrive à distinguer cette tenue? Parce qu'il faisait journée, ce n'était pas la nuit. Je pouvais peut-être comprendre que c'était la nuit. Oui, comment... Il déclare que c'était la première fois qu'il voyait pareille tenue et il faisait jour. Comment a-t-il pu reconnaître cette tenue à l'instant? Kuna sema ke uliona kile tenue ilikuwa mara yako ya kwanza na ilikuwa deja mchana ama mwangaza ilikuwa ishakuwa. Namna gani una reconnaître les tenues d'un coup comme ça kuiona? Tulifanyaka wakati ya mingi na niko naiona. Je fais plusieurs heures en train de l'observer. Wakati amingi. Longtemps à l'observant. Merci beaucoup votre nom pour la parole. Votre nom, hier ou avant-hier, nous avons eu affaire au une objection dans le sens que par rapport à la même question, bien entendu, dans le sens que pareille question est une question suggestive dès lors que le prévenu sont par devant votre auguste cour. Mais qu'à cela ne tienne votre honneur, est-ce que le T026 peut-il... J'ai semblé comprendre cela dans ses dernières déclarations. Peut-il confirmer si, en dehors de cette tenue qu'il semble avoir vue pour la première fois, il y avait une autre tenue qu'il aurait déjà vue avant? Voilà ma question, votre honneur. Question ni kwamba kuacha hii teni yenye ulionaka mara ya kwanza. Est-ce que ulionaka ingine teni? Ndio. Oui, na monaki. La Cour vous remercie. La République. Merci beaucoup, votre honneur. Nous avons suivi attentivement les témoins. Vient de déclarer par devers votre cour qu'au moment où M. Ouezo a été tiré, ils l'ont déplacé au lieu où se trouvaient les policiers. Notre question est celle de savoir quel était l'état
du policier à ce moment-là. Unasema kama saa yenye uwezo alikufaka mukamnyangulia kwenye bapolisi balikuwa. Kwa ile wakati, namna ya kujikamata ya bapolisi, ilikuwaka gani? Un instant. Commandant police audience, bayo batelemi avec un chapeau bizarre. Venez à la barre, monsieur. Oui, venez. Avec un accoutrement comme ça dans la salle d'audience. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Non, gardez votre chapeau, votre couvre-chef. Gardez-le à la tête. Je suis Jack Sinzaera, citoyen Congo. Non, parce que je suis citoyen, c'est qui... Oui. Mais coiffez-vous dans la salle d'audience, on se décoiffe. Ah, merci, votre honneur. Je ne savais pas. Il y a encore de la place là où vous êtes. Ah, ok. Il y a de la place. Asseyez-vous. Décoiffez-vous. Merci. Donc, il y a encore Naoukai. C'est clair? Voilà. Depuis ce le dernier, je ne pas une conférence. Asseyez-vous tous. S'il n'y a plus de place, ok, mettez-vous calmement. Si vous êtes debout, tant mieux, mais calmement. Je ne voulais pas de conférence à la salle de l'audience. Oui, Mutuna, question. Question est quoi? Wakati baliwaka uwezo, unasema kama... Unasema kama mulimunyangulaka paka kwenye bapolisie balikuwaka. Question njoyi. Placé. Il a utilisé le terme. Nous l'avons amené derrière l'église, là où étaient les policiers. La question de l'État congolais est celle de savoir quel était l'état de ces policiers. Senye mulibebaka uwezo kule nyuma kwenye kulikuwaka ba policiers. Namna gani ya kujikamata ba policiers balikuwaka nayo? Gisi nimesikia wanauliza kama hali ya ule polisie ilikuwa kae. Alikuwa na ikala chini. Alikuwa mzima. Merci beaucoup votre honneur. Nous notons que à ce moment-là les policiers étaient encore en vie. Nous poursuivons votre honneur. Le témoin peut-il nous dire si les policiers étaient armés à ce moment-là? Je unaweza tuambia, est-ce que les policiers alikuwa na bunduki ile wakati? Hakukuwa na bunduki. Et selon lui, comment est-ce les policiers étaient d'abord neutralisés et en plus désarmés? Na selo weye, namna gani policiers alikuwa neutralisé na après kumnyang'anya bunduki? Mie nilifikaka pale na washa mukamata, sijue kama mukamata kai. Et pendant que la République a la parole, nibane wa mkata walinda amani? Iskia mwuzi. Bebali kamataka polisi, ilikuwa banani?
sikujua kae bali mukamata kanilifika kapale tu nabalisha mukamata bana mukalisha pale pembeni. Iko walinda amani wa kanisa. Sijue nilikutaka tu iko pale sijue bali mukamata. La République. Merci beaucoup, votre honneur. Comme le témoin PC026, lui en arrivant sur les lieux, il a constaté que les policiers étaient déjà en train de quitter les lieux des crimes. Est-ce qu'il peut dire ici, par vers vous, que Monsieur Ouezo était tué par ces policiers-là? Je suis un peu perdu dans l'idée, si je peux commencer. Nous disons ceci, votre honneur. Lui, il arrive sur les lieux de crime. Il voit les policiers qui quittent les lieux de crime, mais à repiquer des balles. Et c'est à ce moment que Monsieur Ouezo a été tué. Mais où est l'autre interprète? Vous êtes apparemment épuisé. Et où est l'autre, le second? Il a disparu. S'il avait laissé son identité, on peut le rechercher. Oui. Est-ce qu'il est là, l'autre qui a prêté serment? Comme ça, je peux le mettre à disposition du ministère public, il saura le retrouver. Bien. La question est celle-ci. La question de la République. PC026 déclare qu'il a vu des policiers tirer. Est-ce à l'occasion des tirs, de ces tirs-là, que Ouezo, ou plutôt l'autre policier est décédé, ou Ouezo est décédé, ou c'est comment? Parce qu'il tirait en fuyant. Unasema uliona ba polisi biko napiga masasi. Je, mwile masasi ba polisi walikuwa napiga njoo Ouezo alikufiaka? Nimesikia wanauliza kama na ule polisi naye pale ndio alikufiaka. Ouezo ndio yeye alikufiaka pale. Lakini ule polisi alikuwa ngali mzima. Merci beaucoup votre honneur. La toute dernière question, votre honneur, que nous adressons au témoin 026. Nous voulons savoir, enfin, est-ce qu'il est au courant que le policier a été lynché? Je, unajua kama policier aliuiwaka? Si je, hein? Je ne sais pas. Paka leo si akwa na uhakika mimi na visikiaka tu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de confirmation, mais j'entends seulement. Kwa kuhakikisha. Unapenda nini? Pour confirmer, tu veux quoi? C'est gandi la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que je peux dire là. Enfin, votre honneur, on veut juste savoir le temps que lui arrive sur les lieux des crimes, c'est-à-dire le temps qu'il arrive à l'église, est-ce au moins tous les membres ou tous les adeptes étaient à l'extérieur ou ils étaient encore à l'intérieur de l'église? Seigneur, le fikaka ku kanisa, ba mamba, donc ba mambri ya kanisa yenu, balikuwa ka bote inje ama bote balikuwa ka ndani? Sasa nilifikaka pale, ba moya balikuwa ka ndani ya hekalu na wengine balikuwa nje. Merci beaucoup votre honneur. La cour vous remercie. Une dernière question de la cour. Après que le policier ait abattu M. Ouezo, sont-ils partis à pied ou à jeep? S'ils sont partis à jeep, qu'est-ce qu'il était marqué sur la jeep?
après ba policier kuwa uwezo baliendaka mugari ama baliendaka na migulu na je kama baliendaka mugari nini ilikuwa na andikiwa kuile gari baliendaka na migulu so parti a pied. Oui, la défense. Votre honneur, monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, si vous pouvez faire poser la question au... Pouvoir à créer nos excuses et à la fois de prendre notre comparution. Il n'y a plus de place pour mettre les excuses. Néanmoins, faites acter votre comparution. Merci, monsieur le Premier Président. La partie civile comparée, représentée par maître Bissima Jean-Baptiste. Et à la fois, monsieur le Premier Président, je, en attendant que PC021 va venir, j'ai la question que je vais poser au prévenu Mikombe. Le prévenu numéro 4 sur la liste parmi les soldats ici, monsieur le Premier Président. Oui, vous avez. Sont identifiés par le numéro. Donc, il vous souviendra, monsieur le Premier Président, m'excuse. Hier, vous étiez en train de poser des questions, les derniers sur la liste que vous avez. Oui, oui, les prévenus. Monsieur le Premier Président, je ne pas son nom, mais il est ici. Zéna. Oui, oui. Il est ici, monsieur le Premier Président. Et je ne pas son nom. Merci. Merci. Alors, la partie civile, vous estimez que le gouvernement